erreur mingi to sala sala za mtu wa goma na kona kona bande ko wana ba banda banda kala na okiko illustrer ngo na exemple moko mon propre exemple à moi. J'ai acheté une parcelle en 1987 à Goma, au bord de la frontière, donc juste là où on appelle la grande barrière. Ma parcelle faisait 30 mètres sur 60. Mais vous constatez, 5 ans après, pendant la rébellion, il y a RCD et Bandiwana, les Rwandais ont revisité la frontière. Bazui parcelle nangai nazana titre na certificat je l'ai baiko avancé batike lingai 20 mètres côté à Congo 30 mètres de la paix. Donc bazui 60 mètres nangai j'ai protesté, j'ai des certificats au bazui au président comme tous ya Congo et il n'y a pas eu de la main. J'ai même écrit officiellement na ville ya Goma tisikoyo le chef de cadastre de l'époque, il s'appelait Gervais, un jeune Rwandais qui a étudié ici, na IBTP. Il m'a approché, il m'a dit, Excellence, comme vous avez été amputé de 40 mètres qui sont entrés chez nous au Rwanda, et que c'est moi le chef de cadastre à Gisenyi, venez, je vous donne le titre au Rwanda. Télévision Mbote, bisika biso bokamata mito yaki mokolo mwa lelo na libenga me ya tata mokambi ya inana mwana mboka Willy Mishiki oyo mpenza abikisa bapanisa mokolo mwa lelo bakotalisa longo botindo boni santé union sacré ezali boni mpenza ete milulu ya mokolo ya le 29 ekosalema sa de marture ekozalisa mapenza na kotika bwana bwaso botindo bango mpenza bayiba kokumisa mokonzi ya mboka bakopesa maboko na mapenza ekosala lokola misala elongo na lingomba na ye FDCA oyo awapa azali alie na kotika bolanda ebongo tozongo na nsima. Thank you.
De la nation. Donc on appelle la paix, manger politique de l'air. Oezo le Kananamboka na biso, ndenge boyebi tozali na année électorale. Chaque fois na mboka oyo na année mbula ya maponani, makambo mingi elikanaka. Tension ya makasi pour ya bobangi. O bazana na pouvoir bazolo ba FK na politique la wana. O bazaki na opposition bien est-ce que donc, on dit la opposition, c'est ça qui explique l'agitation et l'élo de Tanango. Dans l'ingina, nous avons un collègue Nangaï, Yambabango, le chef de parti fondateur de l'Union Sacrée, nous avons un bango de Téléma, un bango de Maboko. Bazali, ba membre fondateur de l'Union Sacrée, nous avons un bango de l'Union Sacrée. Dès que vous avez dit que l'élection est difficile, vous avez dit que 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 vous avez à sa coalition na la FCC, on va bien qui FCC cash pour la Colombie pour calmer tension préélectorale. Et la Kambimboka à sa ligne la bande de FCC a moniqué vraiment avec alliance ou FCC à au cocaté pour remplir ma obligation na vis-à-vis à ma Congomani. La promesse de la campagne à Pesaki a moniqué et a simbaté. Yangoana, nga écoute de Corabino, biso inana, l'étozaki ba précurseur, au babinga kaba Jean-Baptiste, y a Union Sacrée. Et tozo kobele la majorité est changée. Personne ne nous croyait à l'époque. Tu fais un nombre à ba député. Je me rappelle, 6 mois avant, j'avais parlé de 267 députés sur les 500 au bakoti na Union Sacrée. Nzambe asali biso ke to zala na capacité ya analyse ya makambo to mona makambo ekoya e umela kite révolution ne salami ba bandi kokwe ya moko moko na assemblée nationale na sénat na gouvernement tilelo to komi na majorité ya Union Sacrée na ba institution nyonso ya mboka na biso bopeta ngoma boko. Et là, quand il y a Salami na Congo, et Tikali marqué dans l'histoire, il y a politique, il y a Afrique. Jamais, dans le monde en Afrique,
majorité et bascula en pleine législature. Et là, na félicité ba élu du peuple. Oyo bazwa ki conscience ya koloba ke non, il faut token de du bon côté. Mais er to sali wana izaka vision ya tata mukonzi. Philippe Tshisekedi vision auto partager mi sonyoso. Mais eloko moko sala makite. Ezala eloko acte moko légal. Yango wana presque 3 ans après Tolobi non, il faut sikoyo tous à la organiser d'autant plus que batu bavando ko ya ko babi na ko signe sacré. Mais signe sacré mo ezanini. Ezana charte te, ezana statute, ezana acte moko légal te. Yango to fandi na bande comme tous ba pionnier Tolobi il faut tous à la charte ya signe sacré. Mais différence ya charte oyo ya signe sacré. Contrairement même à Bisso, il y a un manifeste de l'Ancelé à l'époque de Mobutu qui était un bon test mais qui n'était pas appliqué. Contrairement à FCC, c'est tout un programme et un gouvernement. Malheureusement, Ngongaïza Mingite n'a pas qu'à prévoir qu'il y a secteur par secteur pour la Kisake, toujours adhéré au Neti. On va bilanga bilanda manandangulu to adhérer de la vision ya Congo ya sika vision wana ezali incarné na Félix Tshisekedi to lobi na union sacrée. Tout le monde peut être candidat to boite mais candidature oyo biso na union sacrée to kopesa na majestati suprême ngaka moko oyo moko. Et jusque là la seule candidature oyo tozui na union sacrée ezali ya Fachi Beto bidele mapoko. Biso na regroupement na biso acte fermé tozaki lingomba ya liboso ya koloba. Pour le regroupement AFDC allié, notre candidat, président de la République, c'est Félix Tshisekedi. Et j'ai eu l'honneur, après notre réunion avec notre autorité morale, Bahati Modeste, président du Sénat, il m'a accordé, avec la confiance de mes collègues chefs de parti, de pouvoir annoncer ça devant les bureaux du Sénat, que l'AFDC allié a choisi Félix Tshisekedi Tshilombo comme notre candidat président de la République, Bobby Télémabo. Nous sommes fiers aujourd'hui d'être suivis et embattés par d'autres partis politiques. Aujourd'hui, l'Union sacrée a plus de 400 partis politiques. Vous vous rendez compte, les hommes et les femmes responsables. Puisque lorsqu'on crée une partie politique, on a une vision. Et notre objectif, chacun dans son parti, comme mes collègues qui se sont mis debout tout à l'heure, c'est de pouvoir conquérir le pouvoir. Kozoa, pouvoir Bazarango. Mais Batunyo Sowana, plus de 400. Bassina Bibalbi, Bisso, de soutenir la vision, il y a Papa Tshisekedi. C'est pour dire que Bakongolais, Bakomi Kolamuka, de comprendre que. Qu'on disperse par ma casse na biso, et ça dit qu'on fragilise biso. Yango to lobi boye, to kosala ba campagne, awa na Kinshasa, commune par commune, pour na ko vulgariser vision yasika. To ebisi pe gouvernement oyo, fini les blagues, puisque le gouvernement actuel est l'émanation de l'Union sacrée. Ce gouvernement-là, dirigé par Samba II, nous engage, nous, Union sacrée. Tout ce qu'ils feront, ils doivent venir se ressourcer à l'Union sacrée. Tozali laboratoire na bango. Puisque le programme auto-outil que ça, l'Union sacrée, auto-adhéré nango, ce n'est pas un discours vain. C'est un pouvoir, c'est une vision. Oyo est qu'on dirige Congo Yassika. Et après l'élection, yango n'est qu'on dirige Boka Lobby. Puisque l'objectif, c'est d'aller mi-balé. Premier objectif,
reconduire le chef de l'État actuel à la magistrature suprême. Deuxième objectif, Ezali Yakope Saye, majorité parlementaire conséquente pour diriger Mboka avec sa propre majorité. Yangwana Bissona Inana, ça nous engage. Tolobi, Tokoluka Bavoate, il y a un règlement des comptes. Même Oyo Baye Sika, ils ont les mêmes droits que Bissot Batomanaïkana. Puisque Bissot Tozali est chrétien, nga particulièrement. Et ceux qui n'attendent que Bibliya, au Komona, on va venir à Saoul, sur le chrétien Bazaliawa, on a vu que le président de Bissot, il y a sous-section, il y a Kingabo, Azaché, Aza musulman, des confistants, Mwalimo. Mais Bissot, le chrétien, tu as une histoire à Saoul. Vous avez vu Saoul, non? Oui. Saoul Azaki qui a persécuté l'église et Jésus. Si Jésus est mort à l'obéine, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Saoul a quoi? Mais Saoul, on a Koufi Saint, a Koufi Saint Paul. Au Boga, Saint Paul de Saoul. A ça, il même mis ça là, même Oyo Babanda qui n'a Jésus, même Oba disciple à Jésus. C'est pour dire que Bandego va être rejoindre Bissot, dans l'Union sacrée. Ce sont des bons citoyens. Oyo va se ressaisir. Bamoni et Sika et Dere à Bokezali. Nalingina le bape que Bissot na inana. A ce qui concerne l'actualité à l'élo. Donc, initiative à Ndekochani, Noël. Proposition de loi à Mista Nanga Singi Pouloulou. Le lobby Bissot na inana. Nous pensons que le moment n'est pas opportun. Les lots, il y a Kokoka, Koluka, divisé par Congolais. Puisque proposition de loi, wana, une fois votée, et Koka, on a vu sur la Congomani, qui est Gorénir Bissot. Et on ne veut pas aujourd'hui prêter Bissot par intention à Mabeke, Tozo Bangabatu. Non. En tout cas, dans le fond, nous sommes sûrs de l'emporter. Et Nazaki na Pullman, na Moni, Batubauti, Bisika, Nyos, les quatre coins de Congo. Narubi, est-ce que qui peut battre aux élections Batata Oyo, Bamama Oyo? Donc on n'a pas besoin aujourd'hui de recourir ou donner l'occasion à l'opposition, Balobano, Tosani Boye, pour éliminer certains candidats. Ça, c'est notre position de l'Inana qui nous engage. Comme candidat, Bissot Inana, tout en étant l'Union sacrée, Toza Lakuna. Puisque nous devons soutenir vision, donc soutenir tel individu. Et nous croyons que les lois constitution à Bissot, et Pessi, chef de l'État, mandat mi-balé, une fois renouvelable. Et nous pensons que Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, a bandi Moussala, n'a pas de condition difficile. Vous voyez, si le budget de Bissot est outil, et si le total est là, vous voyez, la situation économique de Bissot, vous voyez, que ceux qui ont pété sous mandat pour 5 ans, à cause de ça, mandat avec vision Oyo, il y a l'Union sacrée, c'est comme les gardes-fous. Oyo, ils ont dit, voilà, pour le peuple congolais, pour que ma camounion soit au sala. Et ça a un intérêt à peuple congolais. Et ça a un intérêt à Bino. Yango Toyaki, topé sa position à Bissot, na bande qu'on a Bissot, au ya Kingabwa, ya Limete, au ba ya Bisso, tout ce PDP, tout le monde va découvrir Baouti, na puis ya Chango, président Chango avait puis ya président Chango. Azawana, est-ce que va Chango va la route? De quinoa au Toto, c'est là le 29. Le 29 avril de Tolobi Boye. Comme ça, nous sommes exactés. Tout ça, peine à ce qu'on soutient. Alors, autorité morale, la mission présente au Sénat, a proposé une union sacrée et avec son propre financement de mettre des écrans. Tout côté, il y a un écran tout autour, il y a un stade de martyrs. Si nous n'aurons pas de victoire, puisque pour 1 million de personnes, tu vas être tout à l'heure. Le Bandekoyo va avoir placé le 29 avril dans le cadre du stade. Bali Misabiso va tenir Bissot Rigette puisque
nous évitons qu'il y ait des dégâts si on dépassait la capacité d'accueil du stade de Mathieu. C'est pourquoi nous avons prévu de mettre des écrans jusqu'au niveau des Victoires, jusqu'au niveau des Robes-Villeries, pour que les camarades qui n'auront pas l'occasion d'accéder au stade de Mathieu puissent au moins écouter les messages de l'avenir. Nakosenga bino ba inana na ba partenaire la biso pour mobiliser ba kinois et kinois toya nombre ko la ki sa soutien au total nango na vision à Congo Africa soutien au total nango na tata mukonzi en participant physiquement na lobby na sortie officielle wana ya union sacrée où ils allaient prévu le 29. Donc faciliter le transport, la bateau va transporter pour Kinshasa et comme mon aîné. Objectif Nabiso et Zali que Congoman Nyoso Ayoka Makamboyo, le leader Nabino, Yaïno Sacré, ma collègue Nabiso, la conférence de président, Toko Sosola, pour la Congo Yassik, pour la Congo Yalobi. Puisque Moussala, tu as pour ça la union sacrée, et ça Moussala n'a pas non. Et ça Moussala n'a pas non. Mais ceux qui t'ont en soutien n'a pas non, tu as fait motivé. Il y a un autre signe n'a pas non, pour te déplacer massivement, pour répondre à l'appel, il y a haute autorité. Il y a union sacrée, tu as un Félix, présidium n'a pas non, dans la conférence des présidents, il y a un président fondateur, il y a union sacrée. Donc aussi, ça est le côté. Sans que tout le monde n'a actualité du moment. Na lingina loba awa, écoutez-moi bien. Ne vous fiez pas aux rumeurs des réseaux sociaux. On m'a toujours appelé prophète des aboités. Je vous dis et vous confirme que les élections telles que prévues auront bel et bien lieu le 20 décembre 2013 et 23 et le 20 décembre 2023. Donc pour dire que préparons-nous toujours les la gouvernance à Mabé mboka za malamuté batrou partout l'otilique zaté maye zaté occasion ya boyo ozali na carte d'électeur na yo pesango valeur. Comme pour la moutouté, après ce t-shirt, après ce fanta, après ce maï, pour la moutoué dans la vision à Congo Sika. Pour la moutoué à Gomé, à Congo Liboso. Il y a un système ming que Bozala n'a pas participation active. Appropriez-vous l'union sacrée, c'est pour vous. Et d'autres organisations qui viendront, je vous demande de vous en approprier. Puisque ce pays nous appartient. Mousset nous disait toujours, prenons-nous en charge. Même Simo Kimbangu à l'époque disait, prenons-nous en charge. L'État, certes, a sa mission, mais la pression que nous allons faire vis-à-vis de l'État, c'est ça qui fera que nos conditions de vie soient améliorées. C'est pas comme ça? Oui. Dans l'ingina sur la paix, Makambuya Est, Bouti Kolanda, Ndeko Kagame, puisque j'ai une actualité, a lobby que Bango Rwanda, Bazali Nabiteni Awa, na territoire national du Congo, il faut pas récupérer. Là, il n'y a pas de. Moi, j'ai eu à vivre au Rwanda. Moi, si Nangaya Kala, avec l'ambassadrice d'Angleterre, j'ai fait 4 ans à Rwanda. Naebi batuana nyoso ne wadala. Nakosenga na bino ba kongomani. Tous à la mobiliser comme un seul homme. Comment on a été qui voit les amusikate? Et ni nyoso ya Congo ezo apatine na biso ito. Eza bo ete? Oui. Eza patrimoine national na biso. Erreur mingi to sala na za mutu ya Goma na kola kuna. Bande kuwana babanda bandakala.
Je vais illustrer un exemple, mon propre exemple à moi. J'ai acheté une parcelle en 1985 à Goma, au bord de la frontière, donc juste là où on appelle la Grande Barrière. Ma parcelle faisait 30 mètres sur 60. N'avez pas constaté, 5 ans après, pendant la rébellion, il y a RCD et Bandiwana, les Rwandais ont revisité les frontières. Bazui parcelle nangai nazana titre na certificat gelé je les ai baeko avancé batike lingai 20 mètres côté à Congo 30 mètres de l'Afrique donc bazui 60 mètres nangai j'ai protesté j'ai des certificats au bazui au président tous ya Congo et il n'y a pas eu de la main j'ai même écrit officiellement na ville ya Goma tisikoyo le chef de cadastre de l'époque, qui s'appelait Gervais, un jeune Rwandais qui a étudié ici, na IBTP, il m'a approché, il m'a dit, Excellence, comme vous avez été amputé de 40 mètres qui sont entrés chez nous au Rwanda, et que c'est moi le chef de cadastre à Gisenyi, venez, je vous donne le titre au Rwanda. Il est là, ce n'est pas, il m'a écrit officiellement dans mon Kandango. Mais moi j'ai dit, mon frère, je suis nationaliste, comme mon gouvernement ne m'a pas soutenu, vous avez eu l'appui. À l'époque, il y avait la rébellion où il y a RCD. C'était à l'époque que c'était fait. Je voulais ça. Ce n'est pas ça qui va. Mais moi, je suis chef coutumier. Je ne peux pas prendre une parcelle au Rwanda qui m'appartenait au Congo. Mais il y a d'autres compatriotes congolais qui sont aujourd'hui dans la politique. Certains même sont au gouvernement aujourd'hui. Qui ont accepté et qui ont fermé les yeux. C'est comme ça que Rwanda maintenant, Oyazoua qui wana, wana c'est en ville, et mon ami. Mais Oyazoui côté à Kibumba, côté à Baruchou, et c'est comme et le qui ça c'est en plein centre-ville de Goma. Moi-même, j'ai été victime. Quand vous allez à Goma aujourd'hui, vers la Grande Barrière, vous allez voir des parcelles entières qui ont été expropriées. Aux vies et aussi de tout le monde, mais personne n'a soulevé les têtes. Voilà les lots Sikoyo, comme on n'a rien fait. Le président rwandais, il se permet de réclamer même des territoires plus grands, plus bas. Donc nous devons nous prendre conscience de nos responsabilités. Ce n'est pas puisque le Congo est grand et vaste que Bagoya, Bazuya, Ngoga, Kokatakata, et comme il est dit, éléphant, il parle de ceux qui Njoku, Akufi, Nazamba, Babena, dans le village. Je me rappelle, j'avais 8 ans, j'avais une Mboka, éléphant, Mboka, Ekofaki, j'avais une Akoko, Nanga, grand-mère. Petit 8 ans, j'ai 8 mois, 5 mois. Nazo Bedango, qu'on marchait plus de 90 km. Pour ce qu'on a et en Mboko. Mais le Congo, ce n'est pas ça le Congo. Le Congo a ses frontières ici de la colonisation et la souveraineté de notre pays n'est pas à négocier. On peut tout nous arracher, mais sauf notre souveraineté. Valère Otozalango Bisabomoy. Aux opposants, aux la majorité, c'est d'abord préserver l'intégrité territoriale. C'est tout ce que nous avons de précieux et qui est un patrimoine commun. Aucun Congolais, même le chef de l'État, n'a pas le droit de remettre en cause la frontière Nabisso ici de la colonisation. Yango Nako Sengabino, tous se mobiliser comme un seul homme pour mettre fin à toutes ces velléités. Ce n'est pas seulement à Rwanda, même en Zambie. Vous avez appris plusieurs fois. L'armée zambienne est entrée chez nous, en Angola ici, plusieurs fois. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas encore pris conscience. Nous devons prendre conscience et barrer la route à tous ceux-là qui ont des velléités de pouvoir remettre en cause notre souveraineté nationale, notre existence en tant que peuple. Je voudrais terminer par les problèmes de la sécurité à l'Est. C'est vrai, je fais partie de l'Union sacrée, mais je dois dire ici que la façon dont nous gérions ces problèmes, moi, en tant qu'acteur politique de premier rang du Grand Kivu, je n'ai jamais été content de ça. Et je pense que maintenant, comme l'Union sacrée est là, et que l'option relative à la consultation
de l'Union Sardaigne, nous avons un programme de gouvernement, sera rapidement activé pour que nous puissions contribuer, nous qui ne sommes pas au gouvernement effectivement, à pouvoir donner des orientations. Puisque à ce qui nous concerne, nous pensons qu'on peut mettre fin à cette guerre qui nous est injustement imposée par une guerre économique. Les pays qui nous font à genoux aujourd'hui, et je dois dire ici aux Congolais, que contrairement à ce que l'opinion publique circule, les Ougandais et en particulier Mme Museveni soutiennent plus le M23 que même le Rwanda. Vous n'avez qu'à regarder la frontière qui nous sépare avec l'Ouganda, c'est le fief de M23. Donc déjà, notre approche déjà n'est pas bonne de ce côté-là. Ces amis-là, ces voisins, ont eu tout le temps, depuis que l'M23 était défait, ils ont eu presque 12 ans pour préparer la guerre. Pendant que nous étions ici dans les Djalelo, dans les Tralala, les autres nous préparaient la guerre contre nous. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, la guerre militaire, la guerre physique, nous ne sommes pas préparés à ça. Mais nous pouvons faire une autre forme de guerre que nous, à l'INANA, nous appelons la guerre économique. Nous pouvons asphyxier économiquement ces deux pays. Quand vous regardez les pays comme l'Ouganda, l'Ouganda est un pays qui n'a pas accès à la mer. Et si l'Ouganda tient aujourd'hui, c'est à cause des droits de trafic. L'Ouganda reçoit plus de 4 milliards de dollars chaque année de trafic de marchandises qui passent entre la RDC et l'extérieur vers les ports de Mombasa ou les ports de Dar es Salaam ou inversement. Si nous pouvons priver l'Ouganda de ces 4 milliards de dollars, l'Ouganda ne tiendra même pas un mois. Le Rwanda fait presque 3 milliards de dollars. Quand vous allez, ceux qui fréquentent souvent Goma, Bukavu, ils vont voir des camions à la frontière entre le Rwanda et la RDC, qui partent soit en Tanzanie, au port de Dar es Salaam, soit au port de Mombasa, au Kenya, inversement. Et tous ces camions-là payent de l'argent. Nous ne pouvons pas continuer à financer les pays qui nous font la guerre. Alors que nous avons la possibilité aujourd'hui de contourner ces pays-là, d'aller vers les pays amis, voisins aussi, comme le Burundi, avec lesquels on n'a jamais eu de problème, comme la Tanzanie, avec lesquels nous avons même un contrat de coopération militaire. Et c'est cette guerre-là qui pourrait faire fléchir les armes. Puisque toutes les armes qu'ils achètent aujourd'hui, tous les moyens qu'ils donnent au M23 et consorts, c'est l'argent des Congolais. Je prends mon cas de Walikale. La première entreprise minière qui produit le cassiterite au monde, Alpha BC Mining, c'est chez moi à Walikale. J'ai calculé moi-même, de Walikale jusqu'au port de Mombasa, il passe par Lubutu, Kisangani, Kasindi, Kampala, Nairobi, Mombasa, 2650 km. Que les minéraux des Congolais font pour arriver là-bas. 90% des véhicules loués, ce sont des colonnes de camions. Ce sont des camions ougandais, rwandais, tanzaniens et kenyans. Et quand ils partent là-bas, ils payent les droits de transit. Tout l'argent, les bénéfices, 30% de leurs bénéfices sont comme le général Anna Lubamukia Koloba. Namoni Bamama Azamingia, on a fait le Mouya Mingi. Peut-être le président de Nabiso Yalik de Femmes, honorable Biringanine. Azana Lumba Koloba, on a évité. On va voter maman. Alors, président de la jeunesse, pour les Valbakamini, tu as un mot à adresser à la jeunesse. Membre du regroupement AFDC Alliés, répondre à l'invitation
de notre comité sous-sectionnaire de Kingabwa, qui a suivi à travers les médias tout ce qui s'est passé au Pullman à ce qui concerne la signature de la charte de l'Union sacrée, et la base voulait savoir les contenus. Nous avons pensé que la démarche que nous venons de faire aujourd'hui, comme l'Union sacrée est une plateforme politique et populaire, nous avons voulu demander aux Congolais et Congolais de s'en approprier, de s'imprégner de son programme de gouvernement. Parce que contrairement aux autres plateformes politiques, l'Union sacrée a un programme dans tous les secteurs de la vie, et c'est comme ça que nous sommes venus ici pour expliquer aux Congolais et Congolais ce que nous attendons demain de l'Union sacrée, et surtout annoncer la sortie officielle de l'Union sacrée au stade des martyrs le 29 avril prochain. Nous demandons aux Congolais et Congolais de répondre massivement. Nous savons que le stade des martyrs, sa capacité est très limitée à 80 000 personnes. On ne pourra pas prendre tout le monde, mais le président du Sénat, le professeur Bahati Modeste, est porté garant de mettre des écrans géants tout autour du stade pour permettre aux autres Congolais qui n'auront pas l'occasion d'accéder au stade de pouvoir suivre ces messages. Et ça sera un mariage que nous allons inaugurer le 29 avril, et des rencontres similaires auront lieu régulièrement pour que les Congolais suivent de près tout ce qui se passe. Et comme j'ai dit ici, que maintenant, désormais, le gouvernement actuel dépendra, ne pourra rien faire sans consulter le présidium de l'Union sacrée, la conférence des présidents, d'où nous faisons partie, moi et tous mes collègues qui m'entourent, pour gouverner demain. Nous avons voulu anticiper, mettre en place les gouvernements, la vision que nous allons diriger avec demain. Comme ça, puisque lorsqu'il y a 400 partis politiques, il y a 400 programmes de société, il y a 400 projets. Alors, nous avons voulu mettre un projet en commun. Moi, par exemple, je suis conservateur, j'étais obligé de me plier sur certaines visions que je ne partage pas, mais au moins faire l'unanimité pour que le Congo de demain soit un Congo meilleur que ce que nous vivons. Vous savez dans quel contexte l'Union sacrée a été créée? C'était un contexte de révolution. On a dit couper les liens entre les FCC et les CACH pour avoir aujourd'hui l'Union sacrée. Donc, ce contexte-là s'est dépassé. Ce cas-là est dépassé. Aujourd'hui, nous voyons plus loin. Et je suis très fier aujourd'hui de voir les amis qui étaient dans l'FCC demain, quoi qu'ils aient été frustrés, ils nous ont rejoints. Et nous leur disons, ils sont les bienvenus. Nous tous, nous avons les mêmes droits. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Un vrai homme, c'est celui qui tombe et se relève. Un homme qui tombe et reste par terre, ce n'est pas un homme. On ne va pas aller aux élections pour accompagner les gens. Nous allons aux élections pour les gagner. Et pour les gagner, il faut s'organiser. Et je vous dis que ce n'est pas le nombre qui compte, mais c'est la qualité. Quand vous regardez ces femmes et ces hommes chefs de parti, vous retrouvez le Congo valablement représenté. Et je me dis, est-ce qu'il y aura encore des courageux après la sortie officielle de l'Union sacrée qui pourraient encore prétendre se présenter à la magistrature suprême? C'est pourquoi nous avons dit à l'INANA que nous ne voulons pas que ceux-là qui vont échouer demain puissent avoir des prétextes. Que nous avons dit, nous sommes contre l'initiative de Tchani, Noël Tchani, tout en étant l'Union sacrée, c'est notre droit. Nous ne croyons pas que ce genre d'initiative ou de proposition de loi puisse rassembler les Congolais. Nous voulons aujourd'hui aller avec tous les Congolais aux élections pour que personne ne puisse avoir de prétexte pour dire que si on m'avait donné l'occasion, je serais président de la République. Voilà la vision de l'Union sacrée. Et là, nous l'exprimons librement à l'Union sacrée. Et nous avons dit encore que toute organisation qui viendrait après l'Union sacrée, qui soutiendrait les chefs de l'État actuels, l'INANA sera avec eux. Sera avec eux, puisque nous, c'est question de fidélité, de loyauté. Notre autorité morale, Bahati Modeste, nous avait dit, nous avons Félix Tshisekedi comme candidat aux élections présidentielles, et nous ferons tout pour que notre candidat puisse l'emporter tout haut d'une manière transparente et démocratique. Na Kingabwa, un de nos fiefs électoraux, sur invitation, il y a sous-section, il y a comité, il y a INANA Kingabwa. Bayoka ki na ba réseaux sociaux, na ba bilili, ke ba konzi amboka, ba kei koti a linjaka, na lingomba muneno bazo benga inyosa tre. Ba lingaki ba yeba, programme nini toza nango. Toujours qu'il y a des wapina inyo sacré pour Bayoka ba FCC, Bayoka ba la Moka, Bayoka ba Lobo, Bayoka ba Lobo, Bayoka ba Lobo, Bayoka ba Lobo.
yango toyaki awa ko limbola toyebisa bango d'abord ke Union sacrée zali tek to sala mi pona tseke di non to sali Union sacrée po ya ba vision ya mboka ya sika me na Union sacrée ona to lobby boye candidat na biso na maponani oye koya comme candidat président de la République ba ko sala mi balete au zaka moko me biso nde to ko désigner ye mais jusque là candidature to zui jusque lelo ezali ya visionnaire na biso de ko tseke di Félix. Ce type de comme ça, il a une ambition. Il y a un poste. Il y a un peu examiné. Donc, il y a une fenêtre. Il y a un de deux. Programme Oyo Toti à place. Il y a un Congoman qui est en place. Il y a un approprié. Pour qu'il y ait un écran, il y a un monitoring. Il y a un peu d'économie. 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 Pour qu'il y ait un Yango to ngaki to vulgariser charte wana malheureusement ngunga zaki mukeng to tikali wana te to lobi biso na inana ke bakambo etali initiative ya loi ya ndeko nanga chani meme chani nga moko soki bazoka nga to fana kinena sal moko boye pendant 45 minutes na limiter quelque part na ebifier ndeko nanga c'est une bonne initiative mais ce n'est pas opportun lelo oyo Union sacrée a une chance de gagner l'élection. Non seulement l'élection législative, nationale, provinciale, sénatoriale et municipale, locale, mais même l'élection présidentielle. Mais tout le monde a fait un prétexte. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a contre. Il y a contre l'initiative et la loi. Il y a contre la proposition et la loi. Il y a des gens qui ont dit que tolobi ke biso tolingite biloko wana ya ko diviser ba kongomani tolingi ba initiative ya kokuta ba kongomani ensemble tolingi mutu moko te lobi aya na prétexte que soki ngala zaki kuna te nazaki éliminer te melengande mu konvi amboko po tolingi ba élection ezala transparente démocratique et crédible et tolobi boy. Pour retenir date et aller l'obande de Konanga et à médias, il y a presse. Le 20 décembre, à Taba Banguna Bazui Congo Nyoso, tout est dans le quartier Moga Kingaboa, tout ça là-bas, élection à Katekinaboa. Élection nationale de Salam. Puisque parmi les causes, Oyo, Bande Kouana Bazali qui ont utilisé, ils allaient qui ont empêché Tata Moukozi Oyo à une nouvelle légitimité. C'est ça le nez de la guerre. Balingi Babou Sabiso Namobulu. Calendrier électoral et ça la respecté. Tokoma, dans le mois de janvier, mandat est signé, élection est atteinte pour Baba Namobulu. C'est sa stratégie. Là-bas. Et nous, à l'Union sacrée, nous disons que qu'il pleuve, qu'il neige, quel que soit le degré d'insécurité dans Mboka, élection, il faut ça. Puisque l'élection, wana ne peut pas être fondée à Sika, ou à Kouya Koti, à Kimia dans Mboka. Tout ce qui se fait, c'est que Bissona Inana, tous les partis politiques indépendants, tous en recommandent AFDC allié, mais nous gardons notre indépendance. Tous en union sacrée, nous gardons notre indépendance. Tolobi boy, lingomba nyoso ekoya lobby. Boka mama, michika zakuna. Oh, ezo akolba, tous ni fachi beton. Biso ngara ko zakun. Lingomba nyoso, puisque nous croyons que biso tozali animé na fidélité na loyauté. Ezali sortie officielle. Ya union sacrée. De prévoir Yango et Salama na stade de martyr, de l'ouki stade de 800 000 à 1 million, de monite, de l'ouki espace exacte. Tu as une idée de mon côté, de bétango, c'est capable à Zalaki, de l'ouba, baki mista stade de martyr. Tu as même obligé, toi qui est dans le Congo central, dans le Bandundu, de l'ouki espace exacte. Yango te l'oubli, comme capacité d'accueil, il y a stade de martyr, n'est que de 70 000, 80 000 personnes. Le lobby boy alors tokotia ba écran géant tata mukonzi président sénat lobby a copé ça ba écran na ba kongomani ko banda place victoire rompre victoire jusqu'à ko le capalé du peuple tina rompre ya Willery tokotia ba écran géant pour ba kongomani parce que on espère recevoir à peu près 800 000 à 1 million de quinoa c'est quinoa ba ko ka liloba kitoko à venir à Congo ya lobby. Alors, bakolimbi sabiso bamusu bakokota nakati. Ndere ngana ko préférer ngana za libanda. Ndere sa ke même ngai ko fondateur
ya union sacrée, j'ai fait te libanda na landa na écran. Ce n'est pas question que côté la carte tu as privilégié. C'est toujours éviter pe ba incident boyi makamolekana kile ba conseil ba pali ba nini. Nous nous sommes na pouvoir gouverner ce pouvoir, il faut tout éviter que si nani surpeuplement ezala que ba dégâts ezala. Merci. Donc rendez-vous le 29 avril à partir de 10h tokosala na stade de martyrs. Merci. Bolandi boni bote tamo kambia inana mwana boka wili mishiki ya lobi pena lobi li makambo beli a condamné agression rwandaise dans sol congolais lobi pena boni boni ete bato masusu pena ba bazali na kati ya mbulamatari ete bazali penza na ba titre foncier rwandais pe congolais kasi to tuni motuna tamo kagama ko senga biso ete ya na mabeli na mabeli na ye ali pa na biso ezonga na Rwanda or yenda ali moyibe ali boso ezipata wa yiba biso ete na mabeli senga zo sa zo sa ngona ekolo ko ne mokatiki na bande te pena mikolo to ko kamata na mboka vuli mishike na linaka mu matope emission pa pena ko tuli mituna ma ya utuka mako mako ali traînement très capital o pena sengeli a pe san pole na iwana merci na France Cap na sume kama ko mina suka emission mako mwalelo botika malama. Abonnez-vous sur Pivot Télévision, vous informez sur notre devoir.